Cool, Pokémon Alpha Saphir, le des meilleurs jeux de 2014. Ouh, mieux que celui de ce Call of Duty pourri. Oh oui, ah, j'adore l'univers de ce jeu. Oui. Oh, Électrode. Allez, je vais choisir le méga évolution. Comme ça, il aura la classe. Oh putain, ça a la classe. Oh putain. Défonce-le. Défonce-le. Oh, j'aide pas quand c'est leur tour. Allez, oui. Ouais, défonce-le. Yeah. Alors, fais-moi le malin. Hein? C'est chiant quand il s'agit de leur tour. Oh non! J'ai dû prendre le mauvais Pokémon parce que les types plantes. Les types acides sont pas efficaces contre les types plantes. Oh bah non, quoi que d'autre, tiens, regarde! Encore un séisme! Alors, fais-moi le malin, petit con, on fait le malin. Ah oui. Ouais, rapporte-moi de l'expérience, beaucoup plus d'expérience. Et j'ai gagné. Donne-moi le fric. Je suis le beau gosse de l'univers. Bon, je vais sauvegarder le jeu. Et je vais le cacher au cas où c'est cet abruti de Knuckles qui va le voler. Comme ça, il pourra pas savoir c'est quoi le code. Salut Nick. Je voulais te chercher justement. Quoi? Parce que figure-toi, j'ai encore une mission. Oh puis merde, les missions c'est nul. Je savais que t'allais dire ça. Bon. Si jamais je disais que c'était juste 6 gars qui faisaient chier, parce qu'ils ont pas le respect, parce que la dernière fois, ils ont. Le pingouin, il voulait du respect. Non, cette fois, ça n'a rien à voir avec ça. Je suppose que ce sont les chevaliers de. Le chevalier de bronze. Chevalier de bronze, oui. Je connais pas trop. Qui faisait partie du chevalier du Zodiac. Ah, je suivais pas les séries de chevaliers du Zodiac. Non, mais justement. Ils sont en train de squatter parce qu'ils ont. Ils ont tout perdu. Tout. Et ils deviennent les clochards du Zodiac. Les clochards du Zodiac. Je croyais que ce sont les chevaliers d'or. Bon, oh, regarde, il y a un nouveau jeu Pokémon. Attends, ça veut. Comment ça. Oh merde. Enfoiré, bah. Bon, je suppose que ça devait être encore une mission. Mission! Je hais ma vie, tout en quand il s'agit d'un voleur de jeux vidéo. Bon, bref. What the fuck? Mais mec, il n'y aurait pas une sorte de biscuit par hasard? Non, Seigneur, il n'y a pas de biscuit. Oh merde! Ta gueule! Mais oh, un peu de respect, les mecs! Non! Sans mes cheveux, je suis rien! Rien du tout! J'ai froid! Quelqu'un n'aurait pas tiré une couverture par hasard? Non, je sais pas. D'ailleurs, je me demande pourquoi est-ce que Vicky nous passe en toi à faire le rugissement d'un coq. Parce qu'on a tout perdu. Tout. Ah oui, ça vaut le bien. Arrête de pleurer, Saya, c'est insupportable.
Oh, oh putain, ça, je crois que vous avez tout perdu. Qui es-tu, toi? Dégage! Ah! Oh merde, je t'ai fait encore cassé par les chevaliers du clochard. Mais de quoi vous parlez? Vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce qu'ils sont là? Et pourquoi on les appelle les chevaliers du clochard? Qu'est-ce qui leur arrive? Bah, c'est ce qui paraît, cet imbécile de Bowser, enfin, cet imbécile de Knuckles surtout, a tout mélangé le script, tout, et l'a transformé en chevalier de clochard. Mais comment ils ont fait pour le mélanger? C'est très simple, grâce à leur piratage. Knuckles, il a acheté un truc de piratage, et puis il a tout renversé. Du coup, bah, ça donne que le fait que l'ordinateur de Knuckles a explosé, et que du coup, ils sont là. Mais pourquoi tu as décidé de faire ça? Tu voulais gagner encore plus de vues. Ah bah ça m'étonne pas, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour les débarrasser? Non, on peut plus les débarrasser. What? On peut pas les débarrasser. Il faut trouver un moyen pour qu'ils aient... Pour qu'ils soient tranquilles, pas pour qu'ils aient une plus belle. Ah non, ça compte pas. Parce que la vie de nos jours est pourrie. Je sais pas pourquoi, mais... Mais il me semble que seul un gars bouffon qui n'a pas de cerveau et qui aime faire chier les gens peuvent résoudre leurs problèmes. C'est-à-dire qu'il faut leur réconforter en étant imbécile. C'est quoi cette logique? Et pouvez m'expliquer c'est qui le plus chiant de l'histoire de The Arthur de 59 ou bien de ma série? Oh, une bouteille d'eau! C'est à moi! Oh merde! Oh non! Oh, merde, j'ai tout renversé! Oui! Allez! Non, ça suffit pas! Allez! Voilà le travail! Vous en pensez quoi, les gars? Non, ne dis pas que. Si. Allez-y, Knuckles, pour qu'on puisse avoir la paix. C'est comme si c'était fait. C'était tout ça. Oh, fais chier. Pourquoi c'est jamais moi le héros? Ouais, n'exagère pas, tu étais le héros dans... Pas besoin de commentaires. Ça y est! Qu'est-ce qui se passe? On nous a attaqués? Non, tu te ronfles comme un véritable débile. Je suis pas débile. Si, tu es débile. Si, non, tu as dit zizi. Oh, n'en rajoute pas. Quelqu'un n'aurait pas tiré une coiffure par hasard pour moi? Non. Non, pourquoi pas celle de jeune? J'ai dit non, imbécile. Oh, salut les gars. Vous voulez que je chante une petite quelque chose? N'y pense même pas, le gros. Mais pourquoi on est plus petit que lui? J'aimerais bien être grand pour lui défoncer sa race. Oh, hé, oh, un peu de respect, hein? Je vais vous chanter quelque chose. Voilà, il était nul à chier, cette chanson. Oh merci, c'est très sympa de ta part. Pour une fois que j'essaie de vous réconforter. De quoi tu parles? Et puis comment peux-tu nous réconforter? Imbécile, toujours on dit ça. Et puis pourquoi vous êtes là de rien faire? Vous devez faire quelque chose, hein? Sauver la princesse, sauver Athéna. Ne dis jamais ça, imbécile. Si tu dis ce genre de mots, eh ben, il va devenir fou. De quoi? Athéna. Heureusement que Sean a pu maîtriser le technique du anti-fou. Ah, d'accord. Ne dis jamais ça, imbécile. Non, je préfère pas en rajouter. Athéna. Il suffit de toucher. Mais t'es marrant, toi. Et puis, à quoi tu sers, sérieusement? À quoi tu sers? Bah,
je sers à faire chier les gens. Oui, c'est exactement ce qu'on demande. Mais sauf que Iggy a dit que seul quelqu'un qui permet de faire chier pourrait réconforter les gens. Tu parles, ouais, le mec est un véritable imbécile. Et tu sais quoi? Les véritables imbéciles, on s'en moque! Hein? Quoi? Imbécile! Ah! 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 Attention! Un monstre va nous défoncer! Je veux pas mourir! J'en ai rien à foutre, moi! Tais-toi, Echo! Réussi? Oh, le Pocos a réussi! Oh non, 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 non! C'est pas comme ça ce qu'il fallait faire! Il fallait les réconforter, pas les défoncer. Je te dis comment? Non. Tu comprends rien, tu ne comprends rien. Mais... Ah, je crois que tu as trouvé mon nouveau job, c'est-à-dire aller sur la colle. Merci, mon pote. Merci. Je viens vous faire... Passé par Knacko? What the fuck? Aïe. Mon Dieu! Oh, je me suis fait désarticuler! Oh, non! Tais-toi et cours. Je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que cet imbécile voulait nous faire du mal. Il veut sûrement nous réconforter, mais sauf que ça n'a pas marché, parce que je suis chaud. C'est quoi le rapport? C'est nous qui avons des problèmes. J'ai perdu mon armure, on a tous perdu notre armure. Tu as perdu ton chevelure, tu as perdu ta chaleur, il a perdu sa raison, il a perdu son courage et... Ah! Et en plus, il a perdu son cervelle d'humain. C'est-à-dire, il devient une poule à la place du phénix. La ferme! On est côté chômeur. Ça, tout le monde dit souvent. Si seulement tout était mieux. Et c'est qui le responsable en fait? À mon avis, c'est cet imbécile de Shida. Oui, cet imbécile. Ah, enfin, cet imbécile m'a enlevé l'armure d'or et m'a enlevé mon courage. Et d'autant plus, il a coupé mes cheveux, cet imbécile. Ouais, d'autant plus qu'on a tout perdu. On a perdu nos fans. J'ai perdu ma raison. Si quelqu'un devrait tuer Shida, c'est nous. Oui, on va faire une alliance. Une alliance de quoi? On va faire une alliance contre cet Ishida. Mais comment? Il est beaucoup trop fort pour nous. Non, pas aussi on est nier, c'est leur force. Plus on est nier, c'est leur force, plus on aura du courage et plus on va rattraper de retard. On va faire une alliance. Qui est avec moi? Toi, en moi, tu es le seul à guérir. À être normal. Vous comprenez rien, les mecs. Vous comprenez rien. Tu es un mec aussi. Mais vous aussi. Et puis d'abord, pourquoi est-ce que je suis ici d'abord? Je sais pas. La ferme. Haha, tu as fait peur à ton frère. Ta gueule. Juste la ferme.